Hey, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Donc, petite vidéo d'introduction pour l'ouverture de la deuxième box HelloFresh. Donc, c'est histoire de vous parler vite fait parce que je pense qu'au bout de deux box, on ne peut pas donner un avis vraiment très franc. Il faut attendre encore un petit peu. Je tiens quand même à vous filmer à chaque fois. Donc, les ouvertures des box pour voir à chaque fois comment elles vont arriver, si à chaque fois ça va être sérieux. En tous les cas, à l'heure, je vous garantis qu'elles arrivent bien aux dates prévues. Mes livraisons de box sont prévues les mercredis. Au début, je voulais les changer, puis au final, c'est mieux parce que je suis chez moi, je peux les réceptionner. Mais du coup, vous faire une vidéo complète ce jour-là, c'est pas évident pour moi parce que je suis avec les enfants, donc je filme vite fait dans la cuisine l'ouverture de la box, la disposition des produits dans la box, puis voilà, puis je reviens avec vous en intro de cette façon-là pour pouvoir en discuter un petit peu plus. Donc à l'heure, franchement, première box que j'ai reçue. Vous avez dû voir la vidéo, si vous l'avez loupée, je vous laisse le lien juste au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche. Elle était bien emballée, elle est arrivée à la date prévue et les recettes étaient vraiment top. Alors, il y a un truc que j'ai fait dans ces recettes-là que j'ai changé. Il proposait de mettre du vin blanc pour la cuisson. Pas du vin blanc, du vinaigre, pardon, au vin blanc, j'en ai pas. J'ai essayé d'en acheter, j'en ai pas trouvé. Bon, je fais mes courses sur internet, j'en ai pas trouvé. Du coup, moi, j'ai remplacé avec le vinaigre de cidre, le vinaigre que moi j'utilise plus souvent. Bon, c'est passé, c'est très bien passé. La recette était très bonne. Donc voilà, c'était vraiment pour dire, bon, des fois, on n'a pas du tout. Voilà, vous embêtez pas. Vous remplacez par autre chose parce que vous avez l'habitude de prendre et puis c'est tout quoi. Oui, il y a une recette, j'avoue. J'avais pas le vinaigre de vin blanc. Du coup, j'en cherche maintenant. Donc voilà, en gros. Sinon, ben, je vous laisse avec la deuxième box, son arrivée et son ouverture. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye! Hello! Donc, allons-y pour cette deuxième box qui est bien arrivée le premier, le premier mercredi du mois. Je suis censée être livrée tous les mercredis, mais je ne prends pas pour toutes les semaines, hein. Donc là, j'ai pris trois repas cette fois. Et j'étais prévue pour le 1 et c'est arrivé le 1. Ça, vraiment, je me suis rendu compte par rapport à aussi beaucoup de témoignages. Comme quoi elle arrivait vraiment à l'heure la box. Donc allons-y, on va ouvrir ensemble pour voir comment sont disposés en fait les aliments à l'intérieur. Donc je vais essayer de vous caler dans un coin, mettre ça ensemble. C'est parti. J'ai eu deux cartons. Oui, en fait j'en ai pris cinq la dernière fois, sauf qu'au niveau, enfin le temps de pouvoir les cuisiner et tout. Ça n'a pas été évident pour moi. Du coup, je me dis 3, c'est un peu plus simple. Puis voilà, c'est parfait comme ça. Ça me fait à l'heure comme ça. Parce qu'après, vous avez le droit d'adapter votre box, mais vraiment comme vous voulez. Je vais essayer de la surélever un peu. Donc déjà, voilà, l'ouverture, c'est pareil. C'est comme la dernière fois. C'est disposé dans des sacs à l'intérieur. Voilà, là j'ai donc trois sacs et j'ai le menu, c'est-à-dire les recettes que j'ai commandées. Donc voilà, je vais tout disposer sur la table comme j'ai fait la dernière fois et je reviens avec vous. Donc voilà tous mes sacs. En fait, les recettes sont numérotées. Donc j'ai deux sacs en numéro 41, deux sacs en 54. Ça reste la même recette. C'est comme moi, c'est pour 5 personnes, donc c'est un peu plus volumineux. Donc là, bah, voici mes recettes pour cette semaine. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que si je peux préparer mes recettes à l'avance, cuisiner à l'avance, et les autres, comme les salades, tout ça, ça, je fais en dernière minute, bien sûr. Bah, je le fais. Et ça m'arrange bien en fait dans ma semaine, comme ça j'ai mes repas en fait en avance.
ça me fait moins courir et puis ça nous fait manger quand même équilibré au lieu de toujours les pâtes, le truc rapide quoi, frites, steak. Du coup, on arrive à varier de cette manière-là de temps en temps et je vous assure que ça a plu. Ça a vachement plu aux enfants, quoi. D'ailleurs, là, ils ont vu le carton arriver, ils étaient contents. J'ai la grande aussi qui me dit, on a l'impression d'être au restaurant, maman. Donc, j'ai trouvé ça sympa et aussi très intéressant pour recevoir, quand on n'a pas le temps, prévoir à l'avance, en fait, un carton HelloFresh avec toute notre recette pour notre repas du soir. Enfin, bref. Je trouve vraiment de plus en plus l'idée recette comme ça qu'on reçoit, qu'on fait nous-mêmes. Et là, j'ai reçu en fait 3 bons de réduction. Donc, offrez des box à vos amis. Et en fait, l'offre que j'ai trouvée, attendez, j'arrive pas à voir, je vous l'ai montré. Donc, en fait, c'est 3 repas pour 2 personnes. Il n'y a que les livraisons et les suppléments si vous en prenez. Et là, franchement, je l'ai déjà dit, je le redis. Moi, je ne prends pas, je trouve que c'est un peu cher. Donc, voilà, après, vous faites comme vous voulez, hein. Donc, si vous prenez un supplément et si vous prenez, une box, si vous faites l'offre, vous ne paierez donc que la livraison et les suppléments. Et ça, c'est, j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai trois réductions de ce type-là qu'on m'a mis dans ma box. Si ça vous intéresse, je vais vous les faire défiler une par une. Vous ferez une capture d'écran. Par contre, c'est limité. La première, je vous mets le QR code. Vous ferez une capture d'écran. Voici la seconde. Et voici la troisième. Si vous avez envie de tester, vous pouvez passer comme ça par cette petite réduction que je trouve franchement sympa. Donc là, je vais mettre vite fait tout ça au frais et puis agencer mes recettes pour la semaine. Voilà, j'espère que l'idée de tester toutes ces box ensemble vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et surtout si vous êtes chez HelloFresh et que vous testez déjà vous-même cette box, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et à bientôt!